Milan Rastislav Štefánik. Kto si? En 1880, il est né au nord de la Slovaquie. À cette époque, c'était l'Empire austro-hongrois. Mais Stefanik parlait slovaque chez lui. Dobrý deň, ako sa máte? 1904. Il est allé en France pour étudier l'astronomie. Il était l'assistant du professeur Jules Janssen. Il est devenu français. 1915 à 1917. Il était pilote pendant la Première Guerre mondiale pour l'armée française. Il a aussi organisé une escadrille de pilotes tchèques et slovaques. En 1918, il est devenu général. Il travaille avec Edvard Beneš et Tomáš Masaryk pour créer le Conseil national tchécoslovaque. Pour Štefánik, il est très important de créer une nouvelle armée. Il réussit à recruter 3000 volontaires. Le 28 octobre 1918, la République tchécoslovaque est fondée. Le 4 mai 1919, il s'est écrasé près de Bratislava et il est mort. On ne sait pas si c'était vraiment un accident.